Netgrid Interactive, Süpermed ve Ferdifean Effect Visual Kişen Salon Le Distance. Yüksek Amper de Plizor Komposant, Ardyn Omega, Setin Kart ve Mikrokontrolör, Omuase Different Komposant Sur L'Image. Supplement de la connecte à l'ordinateur à l'aide d'une câble USB qui fournit 5 volts jusqu'à 5000 mAh ou à l'aide d'une alimentation externe. Un Netgrid kit, 64 LED, un capteur de distance qui mesure la distance entre l'objet et le capteur, et les câbles pour la connexion entre le capteur et Arduino. Afin d'utiliser le moins possible de sortie, les LED sont reliés par leur cathode pour créer 4 étages et sont reliés par leur anode pour créer 16 colonnes. Après le suivre de LED, un cube de dimension 4x4x4 est créé. Cette cube est placée sur le LED cube kit et après, ces LED sont reliés à des résistants pour une bonne luminosité et pour les protéger face à un trop fort courant. Ainsi, 16 sorties sont utilisées pour les colonnes de LED et 4 sorties pour l'alimentation de différents étages de cube. Ensuite, le LED cube kit est relié à l'Arduino avec le pad. Finalement, le capteur de distance est relié à l'Arduino avec le câble. Après la construction du produit, la programmation est créée sur l'ordinateur. Elle est installée dans l'Arduino. Ce programme permet d'allumer le LED volume. Après la programmation, on peut voir trois différentes animations qui changent selon la distance. Ce produit peut être développé par les gens qui s'intéressent au projet comme ça. Il est facile à changer sa programmation. De cette manière, vous pouvez le changer ou développer comme vous voulez. En même temps, comme ces composants ne sont pas chers, il est économique pour les personnes qui veulent l'acheter. De plus, on peut regarder plusieurs animations, c'est pourquoi il est un produit joli et visuel. Maintenant, on le regarde. Quand on connecte ce produit à une source d'alimentation, si la distance entre l'objet et le capteur est plus petite de 50 cm, on voit la première animation dans le LED. La distance est entre 50 cm et 100 cm, on voit la deuxième animation dans le LED cube. Et si la distance est plus de 100 cm, on voit la troisième animation. Pendant la réalisation, j'ai forcé un peu quand j'ai fait le suivi. Mais grâce à ce projet, j'ai fabriqué mon propre produit et j'ai écrit les programmations que j'ai imaginées. Je pense que ce projet est une bonne expérience pour mon futur métier. Pendant la préparation de vidéo, comme ce produit n'est pas trop utile et n'a pas de beaucoup d'avantages, j'ai rencontré un peu de difficultés. Mais grâce aux vidéos, j'ai appris comment je peux présenter le produit que j'ai créé en français. Donc, ce projet était utile pour mon métier et aussi pour mon français.